Bonjour, bonjour et bienvenue pour The Event Longjouloir Challenge 2019, la course d'obstacles la plus longue du monde, 7300 mètres. Gabriel est là, ça va Gabriel ? Ça va très bien. Et t'as vu un peu le monde qu'il y a ? Regardez mesdames et messieurs, le monde, la foule extraordinaire qu'il y a aujourd'hui sur l'hippodrome du Lyon-d'Angers, où on espère pouvoir battre le record de population. On va regarder, regardez-moi ce monde. Il y a le record de population ici, ça a été 14 000 personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, il est tout à fait possible qu'on atteigne, voire qu'on batte ce record. Le temps est absolument parfait. Et il y a un monde fou depuis 11 heures ce matin, car il y a eu ce matin la course du Palio, la course, le seul sprint sur un hippodrome pour chevaux de 13 sur 1200 mètres. Après l'Angeloire Poney, et puis il y a eu le concert également qui a attiré énormément de monde, énormément de jeunes. Vous voyez énormément d'enfants et de jeunes, une population de jeunes qui est là en train de se remettre de ses émotions pour ceux qui ont monté la course précédente, les jockeys, voilà. Voilà la scène et voilà, c'est l'hippodrome du Lyon-d'Angers, le jour de l'Angeloire Challenge, c'est une ambiance tout à fait particulière. Vous voyez, ça c'est la scène qui sont en train de ranger, il y avait le concert tout à l'heure. Et donc les enfants qui sont là, énormément de monde, les tribunes on les verra tout à l'heure, elles sont archi combles au moment des courses. On va passer à côté du bar sans boire un coup et on va apprendre notre parcours. Le parcours, il est là. Il est très particulier puisqu'il fait 7300 mètres. Je ne le connais pas par cœur, je dois avouer. J'espère que les jockeys le connaissent mieux que moi. Nous, on va passer par là. Ça part, ça revient, ça re-revient, ça tourne, ça retourne, ça monte, ça descend. Hop, on va passer par là. Le parcours de la course d'obstacles la plus longue du monde. 7300 mètres, une course qui a été créée en 2005. Et on attend beaucoup d'émotions. Gabriel, est-ce que tu as bien appris ton parcours et tes chevaux ? Alors pour les chevaux, on est plutôt OK. Hein. Le parcours, on verra. Hein. Il y a la télé, c'est fait pour ça. En tout cas, je pense que c'est un Angeloire qui nous promet beaucoup de surprises. Hein, parce qu'on attend le duel magistral Kikone contre Posilox. Posilox qui tente l'incroyable triplé. Un triplé qui n'a jamais été réalisé, qui a déjà été tenté. Hein. Crisetti qui l'avait gagné deux fois. Et Crisetti qui l'avait gagné avec Wilfried Degnaud qui sera sur Posilox puisque Roman Julio malheureusement ne peut pas être là. Mais on a aussi un peu le local de l'étape, hein. Pascal Journiac qui entraîne à Durtal, qui amène deux partants, dont... Ah, je vais en arrêter un local. Angelo gagné. Alors là, pour être local, il est né là, Angelo. Tu vas monter tout à l'heure une des bonnes chances chez Padré. Et toi, le Lion d'Angers, chez Padré. C'est Don Padré et chez Pedro. Tu as gagné ici à 16 ans ta première course sur un cheval de 15 ans. C'était Hilariac. Raconte-nous ça. Ouais, Hilariac, c'était une grande histoire parce que moi, je suis originaire d'ici. J'ai grandi sous le clocher. Mon père aussi, donc il m'a envoyé quand j'étais jeune apprendre mon métier chez Georges Bonsergent. Et la première banquette que j'ai passée, c'était à 9 ans avec Hilariac. Et 7 ans après, le cheval, je le monte lors de ma deuxième course ici sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Et le cheval avait 15 ans, moi j'en avais 16. Et 15 ans ouais. Et il m'a récompensé, du coup il m'a offert une victoire, ma première victoire, c'était magique. Ah voilà, chez Georges Bonsergent qui a appris aussi à monter à cheval, un certain Jacques Ricou. Hein. Jacques Ricou, Olivier Jouan, Anthony Thierry et bien d'autres, hein. Je ne peux pas tous les citer, mais... Un drôle de monsieur. Alors là, tu montes aujourd'hui chez Pedro. Une chance, une des 3-4 premières chances de la course. Quelle est ta pression ? Une première chance, si tout se passe bien. Si les deux premiers favoris ont des défaillances, je serai là pour... J'essaierai d'être là pour arbitrer tout ça. C'est la première fois que tu le montes, l'Angeloire Challenge ? Deuxième fois. J'avais monté quand j'étais Jean Cleman. Pour des Anglais, j'étais tombé à la dernière haie. Mais non, je fais l'habitude. Merci. Merci. Bonne chance, Angelo. Nous, on va aller voir les chevaux. Le 18h45. Et Olivier Join. Tiens, Olivier. Ah, il est parti, il est concentré. Non, mais il est concentré, justement. C'est intéressant parce qu'il ne m'a pas entendu. Il est parti, il est concentré. Les jockeys sont tous venus sceller les chevaux qu'on va voir dans quelques instants. La course, je vous le rappelle, à 18h45, ça c'est le départ. L'arrivée de la course, eh bien, 15 minutes plus tard, puisque c'est la course la plus longue du monde. Donc c'est aussi la course la plus longue en termes de durée. Attention, il y a un poteau. Et là, nous voici arrivés, mesdames, messieurs, chez les gladiateurs. Ils sont tous réunis là, la foule est autour et là il y a un silence absolu. On va découvrir ses compétiteurs les uns après les autres. Tiens, on parlait tout à l'heure de chez Pedro, il est là, c'est le cheval gris qui est là. Un ancien pensionnaire de Dominique Bressoux qui est arrivé chez Patrice Quinton. Il s'est très très bien fait sur le cross.
Il a gagné le grand steeplechase de Fontainebleau et il vient d'être deuxième du grand cross de Fontainebleau. Un jeune cheval de 7 ans qui, évidemment, il y a les deux favoris, donc on va parler dans quelques instants, Kikon et Posilox. Mais chez Pedro, avec Bellasson, c'est vraiment la troisième chance théorique de la course montée par le jeune Angelo Gagné. Devant nous, nous avons Posilox, le roi Posilox. Toute la foule, évidemment, sera pour Kikon, parce que Kikon, c'est un cheval du coin, mais aussi Posilox, c'est un cheval du coin avec Wilfried. Wilfried qui est en train de prendre les derniers ordres, il les connaît par cœur. Les ordres et Wilfried qui a monté Posilox, c'était des grandes retrouvailles Wilfried, parce que tu as monté le cheval il y a en 2012, hein, ça date pas d'hier. Oh, c'était en noir et blanc. Hein. Bon, tu l'as gagné cet Angelo Challenge, tu vas monter un des favoris, comme c'était le cas d'ailleurs avec Crisetti, ça fait quoi? Oh, bah, y a pas de pression, surtout moi ce que je veux c'est que le cheval il rentre bien, sa dernière. Alors, c'est surtout la pression qu'il rentre bien, après la course c'est autre chose, mais qu'il rentre bien surtout. Voilà, c'est ça les jockeys d'obstacles. On aime les chevaux, on aime le sport, on aime la victoire, mais surtout on aime les chevaux, ce sont nos amis. Hein. Oui, et puis moi j'ai eu la chance de tomber sur Crisetti. Là je me retrouve malheureusement pour Romain Julio sur Posilox. On va essayer de finir en beauté et puis voilà, maintenant elles viennent que pour moi. Voilà, merci Wilfried qui a gagné aussi le Grand Cross de Cran l'année dernière avec C'est l'artiste Mold. Allez, on va retourner après avoir interviewé Wilfried de nouveau. En fait, là, les jockeys reviennent les uns après les autres au vestiaire pour se reconcentrer avant de ressortir dans l'arène des gladiateurs. Ce sera au rond de présentation et Wilfried de nouveau qui va porter l'une des deux caméras GoPro. Et on va ne pas oublier, n'est-ce pas Gabriel, d'allumer la GoPro juste avant le départ. Il y aura Thomas Borin aussi en scène, en selle sur Bellasson. On va aller donc, on a parlé de Posilox, bien sûr, maintenant on va aller le voir. On va aller le voir, Posilox. Il est là, en 2014, Cookie Dingler. Alors Posilox, c'est le numéro 5. Est-ce qu'il est sorti? Pas encore. Non, il est à l'intérieur de son box. En 2014, il s'est imposé. Cookie Dingler, le chanteur de Ne la laisse pas tomber, avait choisi ce cheval avant la course. Et il avait vu juste. Et en 2017, Posilox avait été remonté sur la première marche du podium. Et il tente un incroyable coup de trois, jamais réussi, je vous le rappelle, depuis la jeune histoire hein, du Grand Cross. Ouais. La jeune histoire de cette course, l'Angelo Challenge. Et Tracy Menuel, la fille de William, bien sûr, qui regarde Posilox pour sa dernière avec beaucoup d'émotion, j'imagine. Oui, oui, je pense qu'on va... Bah, j'ai l'émotion qui monte, donc... Oui. Pourtant, Tracy, elle sait ce que c'est que la compétition. Regardez, elle est en tenue de gentleman rider. Et Posilox, c'est l'ami de la famille. Ça fait combien de temps? Vous l'avez 10 ans, non, c'est ça? Bah, oui, au moins, il est arrivé, il avait 2 ans à la maison. Et depuis le début, je le connais, j'ai grandi avec, donc il y a de l'émotion. J'imagine. Et William, bien sûr, grand spécialiste des cross-country. Magnifique Posilox. Sort l'argent de la poche. Il est beau, hein, Gabriel? Ouais, magnifique cheval. Je suis allé le voir à l'entraînement il n'y a pas longtemps. Il était déjà en bel état. Là, il paraît vraiment affûté. Et de toute façon, c'est sa dernière course au cheval. Donc, il doit être prêt à 100% pour cette course. Et après, il ira rejoindre son propriétaire, Michel Darchy, qui va se remettre à cheval pour l'occasion, qui plus est. Mais bon, Posilox, il n'est pas tout seul, parce que face à lui, on va aller le voir. Il est aussi à son box, c'est Kikon. Kikon, il est par là-bas. Kikon, voilà, le numéro 3, il est là-bas. Magnifique cheval. Kikon, bah, une carrière qui défile énorme, hein, parce que c'est un cheval qui a gagné à 2 ans en plat, qui a battu des très bons chevaux, hein, Rémus de la Tour, qui avait gagné un groupe 3 après. Et Kikon, lui, il tente un doublé. Hein. Il avait devancé Posilox. Posilox l'avait devancé à nouveau en 2017. C'est les deux grands rivaux. Et il y a l'entourage là-bas, qu'on va aller voir. Son entraîneur, David Cotin, qui l'a monté justement pour sa seule victoire dans un joueur challenge. On va aller voir David. David, qui voilà. David, ça y est, Kikon, on y est. La dernière fois, vous étiez sur son dos, et là, en tant qu'entraîneur, ça doit être un doublé assez peu commun qui n'a jamais été fait. Comment il est le cheval et comment toi tu abordes ça en tant qu'entraîneur alors que tu l'as monté pour sa dernière victoire? C'est plus compliqué qu'en tant que jockey, mais mon cheval est bien et il devrait faire sa course. Et Posilox, justement, qui tente le triplé qui n'a jamais été réalisé, c'est un rival, il l'a déjà battu.
il vous a déjà battu. Comment tu vois ça? Est-ce que tu crois que ça va être vraiment un duel ou tu fais vraiment attention à tout le monde autour, quoi? Il faut faire attention à tout le monde. C'est une course particulière. Voilà. Et une course n'est jamais gagnée d'avance. Il faut passer partout et que la course ça soit la plus fluide possible. Voilà, on va essayer que tout se passe pour le mieux. Et nous, alors, on va observer ce duel et on va aller voir celui qui fait naître les petits frères quand même. C'est Richard Powell. Ça y est, tu es ici. Kikone, bah voilà, hein, t'as toute la famille, tu fais naître les petits frères, les petites sœurs, Kikup, hein, qui va bien. Mais Kikone, j'imagine, un défi de taille. Ça a bien commencé avec Derby Plus tout à l'heure. Tu penses que ça va continuer? C'est tout le mal qu'on peut me souhaiter. Non, bah, c'est très beau déjà de le revoir à ce niveau-là maintenant et que maintenant... Que le parcours soit limpide pour tout le monde et que la course se passe bien pour tout le monde, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et est-ce que de mémoire d'homme, toi, t'as vu un cheval comme ça qui courait à 2 ans, gagnait en plat contre des bons chevaux et qui maintenant est au top du cross, c'est quand même assez incroyable. Bon, je suis un peu trop jeune pour pouvoir commencer à sortir une science que j'ai pas connue, mais en tout cas, c'est ce qui est beau à voir. Voilà, c'est un cheval qui a quasiment maintenant 8 ans de carrière, qui est toujours au top. Là, vous le voyez, il fait pas son âge, donc maintenant, il y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que tout se passe bien. Ouais. Bah merci Richard, merci, on va bosser. Bon, Arnaud, oui. On l'a compris, Kikone le grand rival, mais il y a les autres à côté. Hein. Oui, alors on a parlé déjà de... on a parlé déjà du numéro... on a parlé déjà, je vais y arriver, de chez Pedro, le numéro 10, et évidemment il y a aussi Belle Lassonne, le numéro 12, dont nous allons parler, elle n'est pas encore là. 8, le 8, une immense, c'est un monument, il s'appelle Une Immense, c'est le cheval de Éric Leray, qui n'a jamais gagné cette épreuve, qui a déjà gagné le Grand Cross de Cron, mais jamais l'Ange Loire Challenge, vainqueur du Grand Cross de Corlay l'an dernier, il vient d'être quatrième du Grand Cross du Lyon-Angers. Le numéro 7, il est juste devant lui, dans un ordre logique, c'est Tombé de lui. Il porte un drôle de nom, Tombé de lui, c'est le cheval de Nicolas Delagenette. 12 ans, archi-expérimenté. Maintenant, a-t-il réellement le niveau pour l'élite, l'ultra-élite? Parce que là, on est dans le championnat du monde du cross. Pour l'instant, il ne l'a pas vraiment prouvé. Brin de Côte. Alors, un cas intéressant que celui de Brin de Côte. Il a été, figurez-vous, à 4 ans, 2x2 gagnant à Cran. Et il a été deuxième du prix Tréquierville-Listed à Auteuil, derrière Bipolaire. Après, bon, les choses ont un peu moins bien tourné. Il a été longuement arrêté. Et même s'il a été troisième d'une bonne épreuve il n'y a pas très longtemps, ça, il ne paraît pas en tout cas être parmi les principaux favoris. Posilox, bien sûr, on vient d'en parler assez longuement. Il est vraiment splendide. Imaginez que ce cheval a 3 ans. Non, ce n'est pas possible. Il n'a pas 13 ans. Il aurait plutôt 3 ans que 13 ans. Le numéro 4, c'est Amazing Comedy. Donc, compagnon d'écurie de Kikone. Tenu par sa propriétaire. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Mademoiselle Collet, Vidal, c'est sympa. Louise, alors, venir tenir ton cheval Amazing Comedy au départ de l'Ange Loire Challenge, ça te fait quoi? Bah, c'est génial, c'est plein d'émotions. On verra après la course, hein, si ça se passe bien. Tu l'as déjà emmené ici à des Grands Prix ou c'est la première fois? Oui, je l'ai emmené une fois à l'Ange Loire 2017 et je l'ai emmené à toutes ses courses presque. Ah bah super, bonne chance. Amazing Comedy qui sera monté par Johnny Charron et bien sûr le champion Kikone. Donc je vous rappelle, hein, c'est le duel, l'ultime duel, the ultimate fight entre le choc des titans, entre Kikone, le numéro 3 ici, vainqueur en 2015 de cette épreuve, le numéro 3 Kikone et Posilox, le numéro 5. C'est le match, on a vraiment une chance inouïe d'avoir les deux cracks du Lion d'Angers, les deux cracks de l'Angers Challenge devant nous. Et Dompadré, entraîné par Eric Lecoiffier, qui a été déjà 2x 3e de la course avec Maître Baratin, et puis jamais surprise, et qui espère prendre une place également avec un cheval qui a été 3e de la du prix Bourgeonneau, ce qui lui offre une chance tout à fait conséquente dans cette course. Ici le numéro 6, on a déjà parlé, c'est le Brin de Côte. Le 7, Tombé du lit. Le 8, Uniment. Est-ce qu'on a... On n'a pas encore vu... Ben là, voilà, Butterfly du Mou, le numéro 9, qui sera monté par Olivier Join. Le numéro 10, le Gris chez Pedro. Le numéro 11, Balto de la Touche. Et amené par Aurélie Baïf. Le numéro 12, Belle Lassonne, qui va nous emmener d'ailleurs au rond de présentation. Le numéro 12, Belle Lassonne, très chuchoté, préparé par Pascal Journiac pour cette épreuve. Quatrième pour sa rentrée ici. Elle vient d'être deuxième de l'épreuve préparatoire, battue par Kikone, qui gagnait très facilement.
mais vraiment Belle Lassonne. En plus, elle est entraînée par un maître du cross, Pascal Journiac. Et il sera monté par un jockey extrêmement expérimenté dans cette discipline, c'est Thomas Borin. Belle Lassonne, on en dit beaucoup de bien. Belle Lassonne et chez Pedro seront les deux chevaux principaux pour essayer de profiter d'une défaillance de l'un des deux favoris, voire des deux bien sûr. Allez, on va aller au rond de présentation. Ici David Elgavel, notre photographe. Et nous suivons Belle Lassonne, la fille de Califet, entraînée par élevée par François-Xavier Journiac, l'oncle et Luc Journiac, les oncles de Pascal. Pascal qui est né juste à côté d'ici, à la chapelle sur Oudon, qui est entraîneur à Durtal, et donc qui aura évidemment beaucoup, beaucoup à cœur de gagner cette épreuve. Mais déjà, le fait d'y participer, c'est une victoire. Et on va essayer de le trouver au rond de présentation. Le cousin François-Xavier. Alors ici, le clan Papeau et Quinton. Patrice Quinton qui est le premier à avoir fait le doublé avec New Rochelais. Voilà, l'un des trois doublés qui a été réussi par, dans cet Anjou-Lard Challenge. Il n'est pas tendu, Patrice? Non, pas trop, comme d'hab. C'est un cheval vraiment qui est sur la montante. Hein. Ouais, il s'y prend bien sur le cross. Il n'y a pas longtemps qu'il s'y est mis, mais ouais, il s'y prend bien. Ah, c'est un parcours qui est long, mais pas si difficile que ça au niveau technique ici. Non, non, faut... c'est pas Pau. C'est moins compliqué que Pau. Maintenant, il n'y a pas trop d'endroits où ils peuvent respirer. Il faut des chevaux un peu... c'est pas les mêmes chevaux, quoi. Très bien. Allez, le Nuit Rocheuse Revival, on l'espère pour toi. Patrice Quinton avec Xavier Papeau ici, qui n'est pas tendu du tout non plus, évidemment. Allez, on va suivre les autres. On va essayer de suivre les autres candidats. Les autres candidats. William, il est là, William Menuet. Alors maintenant, on va aller voir... une vraie dame d'élevage, Madame Suerville, la propriétaire de Butterfly du Mou. Et on se parlait tout à l'heure, première Anjouard Challenge. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'en arriver là avec ce cheval, hein? Eh ben, c'est exceptionnel parce que c'est un petit cheval qui est arrivé à la maison et sans qu'on sache trop comment il allait être. Et il nous fait plaisir de plus en plus. Donc, pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas, hein, parce qu'il performe bien. Et alors, vous m'avez expliqué tout à l'heure que l'élevage chez vous, c'est une tradition assez familiale. Expliquez-nous un peu. Ben, c'est ça, date de mon oncle qui était chirurgien et entraîneur de chevaux, chez qui a travaillé Jean Lesbordes et Guy Henrault, que j'ai connu comme empereur. Et c'était un plaisir familial, on a continué. Et d'un. Aussi bien que possible. Et oui, et Butterfly du Mou, hein, c'est pas impossible, hein, parce que Pascal Journiac, il va être à fond. Pascal Journiac, il est en grande forme, il a gagné. Il a gagné. Les jockeys qui arrivent. Les jockeys qui arrivent avec Jonathan Plouganou. Jonathan, ça y est, Kikone, c'est le grand jour. Il y en a un qui tente un triplé historique, mais Kikone, il pourrait rentrer dans l'histoire aussi en faisant un doublé qui n'a pas été tant fait que ça. Comment t'abordes ça? Écoute, il faut obstacle après obstacle. Comme ça qu'il faut voir la chose. Et la dernière fois, il a été impressionnant. Le cheval a l'air... d'être au top de sa forme, d'avoir jamais été mieux que ça. 2 ans d'absence, c'est ce qu'il avait fallu à Posidox pour gagner. Là, tu penses que ça va aller? Faut le bon parcours, pas faire d'efforts et ça devrait aller. Et ben en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et on va aller voir aussi Ervan. Ah, Wilfried qu'on a déjà vu. Wilfried qui a notre GoPro, attention. Ça y est, Arnaud Labranche, il n'a pas oublié. Magnifique. La GoPro qui sera sur Posidox. Posidox qui tente l'incroyable triplé. Et voilà, les guerriers face à nous. Ils commencent à s'amasser. Clément Lefebvre qui revient à peine de blessure, qui montera uniment pour Éric Leray. Et voilà, ils sont quasiment tous là. En lice pour l'histoire. Et ouais, Clément Lefebvre qui était accidenté au point-to-point, on lui avait parlé. Il était encore sur la touche et là, il revient très fort. Et là, il sera avec uniment le tout jeune Clément Lefebvre, le frère de Fabien, on le rappelle, hein, qui lui est jockey de plat. Olivier Join qui arrive. Angelo gagné. Bon, il y a de la bonne ambiance chez les jockeys. Je crois qu'une fois qu'ils seront à cheval, ça va pas être la même chose parce qu'il va sans doute y avoir un peu de stress. Hein. Ce que je disais, Arnaud, un peu de stress là, ils rigolent entre eux les jockeys, mais ça va pas être la même pendant le parcours. Hein. Ouais, ils font bonne mine comme ça, mais je peux vous dire que. Mais après, ce sont des jockeys qui sont très confirmés.
aguerris à ce genre de sport, ce sont des gladiateurs, ce sont des combattants. Et nous voici avec Thomas Borin qui va arriver ici et sur lequel on va aussi brancher la GoPro. Ils sont tous là. Voilà. Alors, il reste une GoPro à brancher, hein, Thomas Borin, qui sera sur Bellassen, hein, notre outsider préféré, on peut le dire. Mais là, ils vont faire la photo. Là, ils font la photo tous ensemble, mais tout à l'heure, il n'y en aura qu'un. Qu'un seul qui sortira vainqueur de l'immense Enjouloir Challenge. Et alors, pendant qu'on branche la GoPro, pendant qu'on branche cette belle GoPro, on va quand même poser la question. Ah, c'est pas facile, hein. Et c'est parti. Et Thomas, pendant qu'on l'a, on va parler de Bellassen. Bellassen, c'est un peu celle qu'on n'attend pas et qui, à mon avis, va donner chaud aux deux, Kikone et Posiox. Hein. Bah, l'autre jour, elle a fait une super course. On est battu par Kikone. Je pense que c'est le cheval à battre de la course. L'autre jour, il nous a un peu déposé en train de ligne droite. Mais voilà, c'est une jument qui fait super bien l'hippodrome. Et toutes ses bonnes performances, c'est ici. Donc voilà, on aborde pour la première fois la distance et ces chevaux-là. Mais voilà, on est petit outsider, on a quand même une petite chance, donc on va essayer de l'exploiter au maximum. Justement, l'exploiter au maximum, la distance que tu abordes pour la première fois, ce parcours, raconte-le-nous un peu, comment c'est de le monter? C'est vraiment difficile ou c'est plus un parcours de l'haleine, bien sauter et aller au bout? Bah, c'est d'essayer de faire le moins d'efforts possible et puis essayer d'aller au bout, de prendre les bonnes routes, les bonnes trajectoires, essayer de ne pas prendre de coups et que le cheval saute bien et essayer de ne pas faire trop d'erreurs, de ne pas faire trop de chemin. Pas faire trop d'efforts, voilà, et puis après c'est la jument qui fera le reste. Et alors tu l'as vu, notre GoPro, elle porte chance en ce moment, hein, Jean-Victor Chignon. En tout cas, on espère que ça va marcher une fois de plus. Alors ça y est, ils vont se mettre en selle, Arnaud, c'est parti. Et donc, Thomas Borin qui rejoint Pascal Journiac, qui aura deux candidats. Donc Pascal Journiac, un enfant du pays, deux candidats. Butterfly Dumou qui a gagné à Sonon l'an dernier, on y était. Et donc Bellassen, préparé avec le plus grand soin. Par Pascal. C'est un moment de tension assez difficile. Difficile, mais très agréable, parce qu'évidemment, on rêve tous de faire ça. William Menuet, qui vient de mettre en selle pour la toute dernière fois. Alors, on a fait les toutes premières fois au Grand Cible de Paris, et là, c'est la toute dernière. Ça fait quelque chose, un pincement au cœur? Ah oui, ça fait... Oui, bah, à chaque fois qu'on en parle, l'émotion monte. C'est terrible. Il est magnifique, le cheval. Oui, et puis il est prêt. Là, il est vraiment... J'ai pas... On est sincèrement, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Les prises de sang, tout est ok. Tout. Si je suis battu, bah, ça sera avec les honneurs. Et puis, ce qui rentre bien, et puis voilà. Merci William. Bonne chance surtout. Bellassen, dont on vient de parler. Et Pascal. Viens voir mon petit Pascal. Ne m'échappe pas, je t'ai vu passer. Pascal Journiac, tu as grandi à quelques kilomètres de cet hippodrome. Aujourd'hui, tu présentes deux partants. L'Enjouloir Challenge, c'est quoi? Ouais, bah c'est une course mythique quand même, on a hâte d'avoir des partants dans cette course-là, et voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'en avoir deux qui sont aptes à le faire. Donc voilà. Comment t'as préparé Bellassen? J'ai ouï dire que t'avais mis beaucoup de soin pour elle. Bellassen, ça fait depuis un an qu'on la prépare, hein, pour cet objectif-là. C'est, ouais, on en a fait une spécialiste du Lion. L'objectif, ça a toujours été, dès qu'elle a fait sa deuxième victoire, on avait déjà ça en point de mire. Après, voilà, on n'est pas les seuls. Hein. Mais voilà, on en a fait une spécialiste du Lion. La distance, il y a toujours le point d'interrogation, mais je pense que dans son comportement, ça ne va pas lui faire peur. Après, bah voilà, il y a les deux anciens. C'est les anciens contre la jeunesse, si on peut dire. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Les anciens, bien sûr. Les anciens, c'est bien sûr Kikone et Posilox. Regardez Tracy Menuet qui est juste là, elle est tendue, elle cherche du regard. Je sais, elle cherche du regard à hein, son cheval, son père, son tout ce que vous voulez. C'est... moment de pression terrible. Elle la connaît. Ça fait 10 ans qu'elle le connaît. Et c'est la dernière fois qu'elle le voit courir. Et bien sûr, comme sans doute tout ce monde aujourd'hui massé autour des tribunes, elle espère le voir gagner. C'est très étonnant. Il n'y a pas un bruit. On se croirait au Japon, il n'y a pas un bruit autour de ce rang de plantation. On sent l'attention. Et il y a pas mal de gens qui sont déjà partis dans les tribunes parce que ça va être archi plein, donc ils ont déjà pris leur place. Le numéro
11, Baldo de la Touche, monté par Antoine Auchère. Le numéro 1, Don Padré, le cheval d'Éric Le Coiffier avec Erwan Bureler. Le 2, Baldi des Bois avec le jeune Alexandre Aurin. Très très beau aussi. Kikone, bien sûr, le héros Kikone avec Jonathan Plouganou. Ensuite, le numéro 4, il s'agit de Amazing Comedy avec Johnny Charon. Le numéro 5, Wilfried de Nouancel sur Posilox. Le numéro 6, c'est Brin de Côte. On en a parlé tout à l'heure, cheval assez impulsif. Le numéro 7, c'est Tombé du lit, le cheval de Nicolas de la Genette, Kazakh rouge. On va attendre un tout petit peu pour voir pas arriver. Le numéro 8, il s'agit de Uniment avec Clément Lefebvre, qui est déjà vainqueur, malgré son jeune âge de 7 ans, en Jouloir Challenge, c'était l'an dernier. Le numéro 9, il s'agit de Butterfly du Mou, monté par Olivier Jouin. Le numéro 10, c'est Angelo Gagné, l'homme qui a gagné sa première course ici à l'âge de 16 ans avec un cheval de 15 ans, c'était Hélariac. Le numéro 11, ah ben il est revenu le numéro 11, il est là, avec Antoine Auchère, Baldo de la Touche. Et enfin, le numéro 12, il s'agit de Belle Lassonne, préparée depuis un an pour cet objectif par son mentor, Pascal Journiac. Les chevaux vont entrer en piste. Gabriel, alors c'est quelque chose, hein, c'est en Jouloir Challenge, c'est ta première, c'est quelque chose, hein. Ouais, bah écoutez, je crois que je vais avoir pas mal de premières fois cette année, hein, après le Grand Cip, mais là c'est vrai qu'il y a une tension assez incroyable. Hein. Les guerriers passent, la musique retentissante, et je pense que ça va crier fort dans les tribunes. Hein. Déjà ce matin, les courses de Percherons, ça criait comme en Grand Cip, alors l'Enjouard Challenge, j'ose pas imaginer. Je viens d'apercevoir Pascal Journiac qui est venu faire une dernière caresse à Belle Lassonne juste avant qu'elle ne se lance en piste. Et là, il est revenu dans les tribunes. Et là, vous allez pouvoir découvrir les tribunes archi-combles du Lion d'Angers, l'hippodrome de Lille-Briand. Au Lion d'Angers, c'est plein. Mais ça me rappelle ma jeunesse, mes amis, quand les hippodromes étaient pleins à craquer. Regardez, on ne voit même plus le fond. Regardez, ils sont 15 000, incontestablement, ils sont 15 000. Les tribunes sont pleines à craquer, il n'y a plus une place. C'est extraordinaire de voir ça. Ils sont 12 guerriers, 12 gladiateurs. Oui, parce que c'est un sport extrêmement difficile, qui peut parfois aussi être dramatique. Et c'est évidemment la mémoire de Roman Brizard, dont les obsèques auront lieu demain, à Tiercé, juste à côté d'ici d'ailleurs, qui, comme chacun le sait malheureusement, s'est tué en course. N'ayons pas peur des mots, elle s'est tuée en course dimanche sur l'hippodrome de Blain. L'hippodrome n'a strictement rien à voir là-dedans. Elle est chutée contre un cheval qui se relevait. Elle a pris un coup de pied dans la tête, œdème cérébral. Et voilà, je sais malheureusement ce qu'il en est. Et elle est restée là dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice de sa passion. Et tous ces jockeys, ils prennent exactement le même risque. Alors évidemment, ils s'en rendent compte, mais évidemment, ils ne le savent pas en même temps. Parce qu'on ne peut pas penser à ça quand on s'élance et quand on vit sa passion. Et je peux vous dire qu'ayant discuté depuis des longues années avec des jockeys, leur plus grand plaisir, c'est de ça. C'est de faire cette fameuse parade, même s'ils sont tous très concentrés à cet instant, devant des tribunes archi-combles. Et en plus, pour participer à une course très particulière, une course de conduite, 7000... 7300 mètres, je ne sais pas si vous avez arrivé à reconnaître le parcours. 7300 mètres, et c'est vers ce combat que ces chevaux vont partir. Alors, 7300 mètres, la distance est une difficulté. Comme on le sait tous, le parcours... Ah, écoutez les applaudissements. Voici Belle Lassonne. Avec Thomas Bourin. Alors, trois chevaux. Il fait assez lourd. Hein. Heureusement, il ne fait pas trop chaud. C'est aussi la raison pour laquelle, cette course se dispute en toute fin d'après-midi à 18h45. C'est pour éviter bien sûr les coups de chaud. Et là, le temps est parfait, idéal. En fait, ce matin, il faisait assez gris et couvert. Pas mauvais, mais gris et couvert. C'est parfait pour que les gens n'aillent pas tout de suite à la plage en ce grand week-end de jeudi de l'Ascension. Et donc ils sont venus très massivement, tandis que le reste du peloton va arriver, ils sont venus très très massivement aux courses dès ce matin, comme vous le disiez tout à l'heure, Gabriel. Et je vais m'écarter, sinon je vais me faire écrabouiller. Kikone est en tête. Alors les applaudissements pour Kikone et Posilox, bien sûr, et tous les autres. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous ressentez l'émotion que tout un chacun peut ressentir ici, hein.
Ah, un petit garçon qui est perdu, bah c'est normal avec 15 000 personnes, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous emmener dans un endroit très très particulier, très privilégié, parce que pour que tout le monde se calme et ressorte de la foule et que les chevaux redescendent un tout petit peu en pression avant de s'élancer pour ce long parcours de 7300 mètres, eh bien ils vont aller se protéger dans ce qu'on appelle le jardin du curé, s'isoler de la foule, et nous serons près des jockeys et des chevaux avant le combat. Alors comme je vous disais tout à l'heure, et comme nous l'a confirmé d'ailleurs Patrice Quinton, le parcours du Lion d'Angers, s'il est très long, bien sûr 7300 mètres, ne présente pas de difficultés techniques vraiment effrayantes. Hein. Évidemment c'est beaucoup moins difficile, c'est moins gros par exemple. Tiens, on va prendre un exemple, on va aller là. Tiens, regardez. Regardez, il y a des obstacles bien sûr importants, mais c'est beaucoup moins difficile que les obstacles de peau par exemple, ou les obstacles de cran, qui sont dimensionnés de façon plus importante. Un exemple probant, ici on prend une toute petite boucle, donc il faut beaucoup d'agilité, et il ne faut pas se laisser surprendre évidemment par ce petit trou, mais qui ne présente strictement aucun danger. La chute ne fut pas terrible. Mais derrière, il y a une autre petite banquette, et après on tourne à gauche, et après on tourne à droite. Donc il faut une clairvoyance chez les chevaux et chez les jockeys, absolument de chaque instant, et c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs de visionner, comme vous l'avez sans doute tous déjà fait, les vidéos en GoPro, qui sont, je vous le rappelle, installées sur les casques de Wilfried Deneau sur Posilox et de Thomas Borin sur Bellasson, parce que là on peut vraiment ressentir toute la technicité du parcours, et de la conduite, et de la trajectoire. Voici Gabriel, les jockeys qui arrivent à une minute du combat. Ouais, alors tout à l'heure, ils rigolaient. Là, ça rigole un peu moins. Hein. On les sent tendus. 7300 mètres. C'est même pas ce que je fais en footing. Et eux, ils vont le faire en un peu moins de 10 minutes, à fond. Voilà, c'est ça. Et la tension, oui, en sautant des obstacles, Arnaud, pardon. C'est vrai que ce n'est pas le cadran. Mais, et la tension est là aussi parce que... Vous n'êtes pas sans le savoir, mais l'entraînement, c'est des heures passées pour un moment précis. C'est un travail d'orfèvre. Et attention, attention, là, ça se dirige vers le départ. Ils ont tous mis leurs lunettes. Qui connaît devant ? Va-t-il aller devant comme sa dernière course ? Ça va bientôt partir, messieurs, dames. Et vous allez entendre l'ovation des tribunes. Ça y est, c'est parti pour l'Anjou-Loire Challenge 2019. Vous entendez les applaudissements. Et Kikone qui est parti devant avec Uniment, tombé du lit. Posidox est là tout près, il est quatrième. Et Bellasson dans son dos. Les trois favoris tout de suite aux premières places, Arnaud. Oui, effectivement, c'est un peu son truc à Kikone, hein, d'aller de bout en bout. S'était imposé quasiment de bout en bout, d'ailleurs, lorsqu'il avait remporté cette épreuve en 2015. Alors, on va se rapprocher des obstacles, mais on va se mettre à côté, si possible, et aussi du grand écran, de façon à ce que vous puissiez bénéficier de la course dans son entièreté, en même temps avec les belles images qui nous sont proposées par la réalisation, et en même temps avec la proximité et avec les commentaires. Enchanteur de moi-même. Dominique Boeuf m'a dit la semaine dernière que j'étais nul en commentaire, mais j'essaie de progresser. En tout cas, pour l'instant, c'est pas dur parce que c'est Kikone qui est en tête, comme prévu, avec sa toque rouge. Deuxième position pour Uniment, Clément Lefebvre. Troisième position pour Tombé du Lit, la casaque rouge. Posilox est tout près. Quatrième, hop, une petite montée. Le peloton reste assez groupé chez Pedro, et non pas chez Padré, qui est en dernière position. Juste devant lui, il y a Butterfly du Mou. Alors, première particularité de l'hippodrome du Lion d'Angers, bien sûr, c'est le passage derrière dans le petit bois. Et les chevaux, ils tournent et là, ils vont redescendre. Ah là 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 là, ils vont redescendre très très à pic. Donc, Kikone avec Uniment. Désolé pour l'écran, c'est un écran à Adel ou à LED. Et donc ça, alors le contrebas, tout le monde est toujours là, il n'y a pas de problème. Jonathan Plouganou, grand jockey de cross, est en tête avec Kikone, mais il va assez tranquillement. Hop, tout le monde saute. On va pas très vite hein, pour l'instant. Hein. Bon, c'est normal, hein, il y a 7300 mètres. Donc Kikone, tombé du lit, Uniment. Ça c'est le numéro 2, il s'agit de Baldi des Bois. On n'en a pas parlé, l'autre concurrent de William Menuet. Dont Padré à la corde avec le numéro 1, Kazakh avec des étoiles.
Amazing Comedy un petit peu plus loin. Kikone toujours tranquillement en tête. On va aller par là. Voilà, il passe devant les tribunes et les chevaux vont s'approcher. Si Kikone toujours gambade en tête, uniment tombé du lit, Posilox, Baldier des Bois. Hop, la petite banquette, pas d'erreur, pas d'erreur. Il y en a vu qui ont fait des boulettes ici. Tout le monde passe, Don Padre est toujours, Don Pedro, je vais y arriver. Non, chez Pedro, décidément, en dernière position, accompagné de Butterfly du Mou. Non, on va aller par là, on va aller voir sauter. La petite banquette. La boucle extérieure. Donc attention, pas de glissade. Kikone toujours en tête, il est rejoint ici. Pardon, Padré. Uniment toujours en troisième position. Posilox, très très bien. Tombé du lit, Baldi des Bois. Baldo de la touche, pas d'erreur. Pas de bêtises, The Mexing Comedy. Hop, 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 Dompé du lit, la boulette. Belle Lassen, tranquille, à l'arrière-garde. Alors, allez. Par exemple, un cheval comme Tombé du lit qui a fait une petite boulette là. Je vais me dire, c'est pas grand-chose. Mais à ce niveau-là, ça peut se payer cher, en fin de parcours. Alors, les chevaux sont repartis vers le fond de l'hippodrome. Et pour l'instant, donc, aucun incident à déplorer. C'est toujours Kikone, comme prévu, qui mène la danse. Mais à un rythme, ma foi, mesuré. On sait que c'est un cheval qui a beaucoup d'impulsion. Mais là, il est assez mesuré. Kikone, uniment. Posilox est très très bien. Posilox en troisième position, il est monté près de la tête. Ouais, Posilox qui est monté un peu plus près de d'habitude. Faut quand même pas perdre la tête du combat dans ce genre de course parce que si on se retrouve trop loin, et bah c'est pas que du plat, il y a des obstacles à sauter. Kikone, il est sûrement devant. Clément Lefebvre, uniment, ils lui mettent la pression. Hein. Et Posilox qui ne lâche pas d'un centimètre son rival, Wilfried Degnaud, qui est tapis derrière Kikone, prêt à bondir. Tombé du lit, lui, après sa faute, bah, il est resté au même endroit. Don Padre, il a un peu reculé. Il y a Baldi des Bois qui est derrière. Il y a Balto de la Touche qui suit. Amazing Comedy. Kikone, il est toujours devant. C'est incroyable. Est-ce qu'il va pouvoir le faire de bout en bout? Bellasson, elle est toujours à l'arrière. Oh. Le guet, ils l'ont tous bien passé. Il y a Don Padre. Ça y est, ils sont dedans. Ça mouille, ça mouille. Ça mouille, la fête à la grenouille. On va aller par là. On va aller par là, Lise, parce qu'ils vont venir sauter la double croche, là. Ils reviennent et c'est toujours Kikone en tête devant uniment Posilox. Ça n'a pas changé. Et Don Padre en quatrième position qui monte assez agressif. Double croche. Ça passe, ça passe. Chez Pedro, Angelo Gagné qui commence à tendre son cheval pour le rapprocher. Et Belle Lassen toujours patiente à l'arrière-garde. Butterfly du Mou dernière. Bellasson, il a repris. Thomas Borin a repris sur Bellasson. Il ne veut pas attaquer trop tôt. C'est très clair. Tandis que toujours devant, c'est Kikone. On remonte. Et uniment qui continue d'attaquer. Hein, qui continue d'attaquer Jonathan Plouganou. À mon avis, Jonathan, il n'est pas très content après Clément Lefebvre, mais c'est le jeu. Et alors, tandis que Posilox, il a vraiment un parcours en or. Il suce la roue. Et Baldi des Bois, l'autre candidat William Menuet, est là aussi. Voilà, les plus grosses difficultés du parcours sont là. Attention, le Rel di Chanfen, c'est le plus gros de la course. C'est passé, Baldi des Bois a fait une petite boulette. Alors, le talus quand même, parce que c'est pas fini. Hein. On a passé le Fen, c'est le Rel di Chanfen. Il reste le talus. Bon, pour ces chevaux-là, normalement, c'est pas très compliqué. Mais bon, il faut faire attention, surtout à ne pas se déconcentrer. Ouais, Kikone, attention, dis donc, bonhomme. Alors là, ils vont remonter dans les pianos. C'est un drôle de cavalier, hein, Jonathan. Il a la colle. Hein. Et toujours, Clément Lefebvre, voyons, qui colle à Kikone. Kikone n'est jamais tranquille, vraiment, en tête. Une petite, là on monte, on descend, vous voyez c'est très technique, c'est pas très compliqué en termes de grosseur, en termes de dimension, mais c'est technique. Tomber du lit, et ça va se compiler, ça va être compliqué là. Bellasson, toujours à l'arrière-garde, Butterfly du Mou. Et tandis que chez Pedro, le cheval gris
Kazakh Papo a commencé à se rapprocher. On va revenir devant les tribunes. Non. Ah non, c'est pas l'arrivée, il y a encore un tour. Et Amazing Comedy qui commence à venir à la corde. On va regarder là, puis après ils vont passer là, les chevaux. Alors, ils sont tous de front là. C'est très intéressant, très très belle course jusqu'à présent. Posilox qui vient entre eux. Oh bah, ils ont Posilox qui attaque dès maintenant. Oh, le fence irlandais. Course très impressionnante. Kikone, le duel commence déjà. Kikone, Posilox, uniment. Amazing Comedy, Posilox qui vient attaquer Kikone. Kikone qui a fait une petite peut-être cafouillage, mais bon, pas grand chose. Pour un cheval comme ça, c'est vraiment rien du tout. Ah, Baldi des Bois. Alors, ils vont reprendre une deuxième fois la petite boucle. Et Posilox qui a pris l'avantage à 13 ans. Posilox qui a pris l'avantage à 13 ans. Et qui va tenter de partir pour une ultime gloire, un troisième succès dans l'Anjoulard Challenge. Pas de glissade, attention, pas de bêtises. Posilox avec Wilfried Denouau qui est bien. Mais attention, qui connaît toujours là, il repart. Uniment commence à faiblir. Posilox est parti grand, mais ça passe. Derrière, ça passe aussi. Attention à chez Pedro qui revient. Attention, il a beaucoup de gaz, le 10 chez Pedro. Il est très très bien, Angelo gagné. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jonathan Plouganou actuellement? Il est en train... Il est dominé, mais est-ce qu'il est en train de faire respirer son cheval pour reprendre un second souffle peut-être? Ils arrivent au bout de la ligne d'en face, ça va bientôt être la phase finale. Les chevaux passent le mur. Posilox toujours en tête, Kikone n'est pas battu, loin de là. On va remonter, oui. Posilox et Kikone qui revient, mais Kikone qui est sollicité. Une très étonnante butterfly du mou à l'extérieur. Ah, Kikone! Ah, Don Padre! Chez Pedro, je confonds toujours les deux. Kikone tombé, chez Pedro tombé. Ah là 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 là, dans la côte, dans la monte. Je pense pas que. Je vois Don Padre qui est là. Chez Pedro, je vais y arriver. Et Kikone qui est tombé. Et Posilox! Posilox peut-être qui va venir s'imposer. Mais attention, la course n'est pas finie, loin de là. Les chevaux, ils doivent redescendre du piano. Et il y a encore deux obstacles à franchir. Posilox! Posilox, Butterfly du Mou. Et Bellaston qui revient, Amazing Comedy va bien également. Posilox en tête, le match entre les deux champions n'aura pas lieu parce que Kikone vient de chuter. Mais Posilox est en tête, attention Butterfly du Mou, Amazing Comedy qui revient, Bellaston qui revient également. Mais Posilox semble tenir le bon bout, il entre dans la ligne droite en tête à 13 ans. Posilox, allez, encore une. Et il est attaqué par Amazing Comedy. L'autre, David Cotta, qui va venir gagner alors que Kikone est tombé. Et c'est Amazing Comedy, mais qui dérobe Amazing Comedy. Il part complètement sur sa gauche. Est-ce que Posilox va revenir? Est-ce que Posilox va revenir? Mais Amazing Comedy qui va au bout de Johnny Charon, Amazing Comedy. Et Posilox, deuxième, Butterfly du Mou, troisième, quatrième, uniment, cinquième, Bella Sun. Des adieux réussis pour Posilox à la deuxième place. Mais alors, la grande surprise de Amazing Comedy. Je pense que Louise Collet doit être... Elle est où, Gabrielle? Elle arrive. Elle est là-bas. Tiens, va la voir, toi. Va voir les jeunes, c'est pour toi. Louise Collet, incroyable! Incroyable! Louise... Oh là là, comment il fait ça? Il avait jamais fait ça, ce cheval. Tu nous avais caché quelque chose, là. C'est un champion. Et Philippe Cotin. Ah, elle perd ses lunettes. Elle en perd ses lunettes. Avec Alexis Gautron. Oh là là. Oh là là, Amazing Comedy. Mais attends, mais Louise, mais il avait jamais fait ça, ce cheval. Comment il fait ça? En plus, dans l'Anjouloir Challenge, oh là là. C'est incroyable. C'est magnifique. Oh, je sais pas, mais c'est trop beau. Et en plus, c'est ta petite sœur qui l'a élevé, non? Vous êtes co-éleveur avec ta petite sœur? Oui, on est co-éleveur. C'est un cheval de famille, c'est magnifique. Et David Cotin, alors c'est pareil, c'est les amis, ça c'est les amis de Chantilly, tous réunis. Mais c'est magique, gagner en joueur chance comme ça. Ah, je remercie Philippe Cotin avec le boulot qu'il a fait. C'est magnifique, c'est génial. Je m'en rends pas compte. Elle s'en rend pas compte et c'est normal. Allez, nous, on va aller voir Johnny Charon. Merci, bravo Louise. Et puis après, on ira voir William Menuet qui est derrière. On va aller voir Johnny Charon. Oh, Johnny. Oh, Johnny.
D'où est-ce qu'il nous l'a sorti, celle-là, Johnny? Il va sans doute faire récupérer son cheval en trottinant. Allez, on va suivre le triomphe. La gosse du pays, un grand fan de France Sierre au plus, Johnny Charron. Ouais. Il est rejoint ici par David Cotin. David, bravo David. Eh ben dis donc, que d'émotion, des hauts, des bas incroyables. Oui, comme quoi il faut les courir les courses. C'est pas en restant en boxe qu'on les gagne. Chicone malheureusement l'a été au tapis et lui c'est un dur et il est venu gagner. Tu y croyais vraiment que c'était un cheval de très très grand prix? Disons qu'il est toujours un peu limite et il est meilleur que les bons, les moyens, mais juste un petit peu en dessous des très bons. Mais Johnny a monté une course parfaite et il a fait la différence. Et toi personnellement, tu l'as gagné en tant que jockey, en tant qu'entraîneur, t'en rêvais? Eh ben, oui. C'est un grand cross qui me tient à cœur. Je suis de la région et voilà, c'est important. Merci beaucoup David et toute la famille. Son grand-père Michel Pelletier qui est là, sa mère qui était juste à côté. Et nous, on va aller voir Johnny. On va aller voir Johnny Charron sous les applaudissements. Bravo Johnny! Bravo Johnny! Bravo! Oui, même au trot, il va vite quand même, le cheval. Bravo Johnny! Alors, tu nous as inventé un truc là, formidable, bravo! Attends, j'ai le patron qui gueule, faut que je trotte. Vas-y, trotte, il y a le patron qui gueule, Philippe. Oui, c'est vrai, il faut les faire récupérer. Parce que 7300 mètres, c'est quand même quelque chose, un effort pas surhumain, pas suréquin, mais très particulier, puisqu'ils ne le font nécessairement qu'une fois par an. Quand ils le font une fois par an d'ailleurs. Et pour l'instant, le fait de faire trotter le cheval pour récupérer, eh bien ça permet au public aussi de profiter encore un peu plus des applaudissements fournis pour Amazing Comedy, entraîné par un gamin du coin, David Cotin, né au Lion d'Angers, dressé au Lion d'Angers. Il a tout appris ici avec son grand-père, Michel Pelletier, avec son père, Philippe Cotin, et son arrière-grand-père aussi, Pierre Pelletier, le légendaire Pierre Pelletier. Et Johnny Charron qui s'impose. C'est bon? C'est pas grave. Je vais courir à côté de toi, c'est pas grave. Alors Johnny, fantastique, après tout ce que tu as vécu, tes accidents, explique-moi tout. Eh ben, je suis pas un jockey de cross à la base. J'ai gagné beaucoup pour Philippe Cotin. Et puis en plus, c'est mon anniversaire. Ah bon, t'as quel âge? 39. Bravo, à 39 ans, c'est ta plus belle victoire de toute ta carrière. Non, le grand Steve d'Anguin avec Miss de Chandou. Voilà, il y a... Je sais pas où il y a mettre personne, mais voilà, c'est top. Puis le cheval, il a tout fait tout seul, j'ai rien fait. J'étais plus fatigué que lui. Et quand t'as passé Posilox, t'as eu quoi comme émotion? Rien, on regarde le poteau. On s'en fout, quand on a plus de gaz que l'autre, on pense pas à ça, on pense à bien faire, aller jusqu'au bout. C'est un travail de longue haleine et faut pas le casser. Parce que le jockey, c'est juste une formalité. Merci beaucoup, bravo Johnny. Ah voilà, un garçon très humble. Ah oui, moi, faut que je trotte aussi pour récupérer du coup. Alors, garçon très humble, viens dire jockey, c'est juste une formalité. Enfin, c'est une sacrée formalité quand même. À 39 ans, le jour de son anniversaire, à 39 ans, Johnny Charron, qui est passé partout, hein. Eh bien, il s'impose dans cet Angouleur Challenge. Il s'impose devant Posilox qui réussit des adieux exceptionnels. Oui, alors évidemment, c'est pas la victoire, mais quand même. Oui, c'est magnifique, mais bah, on est tellement déçus. J'aurais tellement aimé qu'il reparte sur une victoire. Ça, il le méritait, et puis tant pis, c'est fini quand même. Parce qu'on y a cru quand il est parti, là, en face. Ouh là là là. Bon, si, j'y croyais. Il allait facile, même, on voit, il n'est pas plus éprouvé que ça. Mais bon, bah, après, on ne peut rien dire pour dire. J'avais dit, le cheval était prêt, tout était nickel. Maintenant, on est battu, tant pis. C'est dommage, mais... Il sort par la grande porte, quand même. Oui, puis il mérite, quand même. Bon allez, on va aller le voir, merci beaucoup et merci à vous. Il est où parti où? Il est là. On va aller le voir, Posilox. Tandis que, on en profite pour voir ce qui se passe ici, en fait, c'est fait exprès. Le site est arrosé d'ailleurs, la preuve. En fait, il y a des tuyaux déjà, des tuyaux qui sont là. Ah, on va aller voir peut-être Jonathan, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti grand... Et voilà, il n'a pas réussi à se rattraper. Parce qu'à un moment donné, tu as été dominé, mais on sentait que tu étais plus en train de respirer, de reprendre, non?
Je faisais une pause. C'est vrai qu'au moment où on est tombé, j'étais pas pourri de gaz, mais donc du coup, je lui ai redemandé à ce moment-là pour revenir tonique, et puis on s'est trompé. Eh ben, ce sont les choses qui arrivent. Toi, tu vas bien, le châle aussi? Bon, bah tant mieux. Merci beaucoup. Merci à Jonathan, difficile, très difficile métier, que celui de jockey d'obstacle. Jonathan Plouganou, bien sûr, qui était le jockey de Kikone. Et Posilox qui est, ça y est, je l'ai perdu, il est où? Il est là-bas. Voilà, Posilox. On va aller caresser Posilox. 13 ans. Pleine peau, 13 ans. Il est en meilleure forme que moi, d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Regardez, Posilox. Ce sont ces images que vous verrez pour la dernière fois. Votre émotion, monsieur? Bah, content, ça s'est bien passé. On aurait préféré gagner, mais bon. Il rentre bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien pour Posilox, qui souffle, c'est bien normal. Il n'est pas exténué non plus. Non, ça va. Il va bien. Ça va, impeccable. Plein de peau, Posilox. Voilà, alors on va en profiter puisqu'on est là. Ça c'est un imant. Un imant qui est combien, un imant, Eric? Quatrième un imant. Agressif, hein, dis-donc, l'uniment toute la course. Hein. Ouais, bah, c'est un cheval qui marche au moral, il tirait pas, il était dans son action, non, c'était très bien. Après, faut avoir des chevaux assez zen, hein, pour faire des parcours pareils. Le cheval, ça va, il récupère bien. Il a pas... Bon, il a fait son boulot. Très bien, merci beaucoup. Quatrième, Bellasson. Alors, Bellasson qui est du coup 3, c'est ça? 2, non, 3, 5. Ah, alors, comment tu as vécu cette course et comment elle est la pouliche, la jument? C'est horrible. Quand on les monte tous les matins avec nos chevaux de cœur, c'est horrible. C'est toi qui la montes tous les matins en plus? Tous les matins, c'est ma jument depuis qu'elle est arrivée, depuis 3 ans, donc c'est horrible. Ah. Mais t'es contente quand même que ça soit terminé, attention le solo. Oh oui, elle court super. Elle court bien, elle rentre sur ses quatre pattes, elle a pas de bobo, c'est le principal. Ouais, ouais. Là, elle est bien, elle est pas, ça va, elle souffle normalement? Non, ça va, elle est pas trop éprouvée. D'accord, super. Merci beaucoup. Ouais, il faut lui laisser du temps, bien sûr, pour récupérer. Alors, qui est-ce qu'on n'a pas vu? Je ne sais plus. En tout cas, nous, on va aller... Attention, le saut. Pardon. On va aller voir Kikone. Et le gagnant. Alors, voilà. Ah bah tiens, Kikone. Ça va, Kikone, Amanda? Ça a l'air d'aller. Ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Ah, il est tombé. Oh, là, il a frotté sur la tête à gauche, c'est ça? Ouais, il a un petit hématome, là. Petit hématome. Ah oui, bah ça, des combattants comme ça, ça leur fait pas peur. Voilà, donc Kikone qui est en bonne santé, j'ai pas vu. Il y a eu 2-3 chevaux de tomber. Bah, dont pas chez Pedro, je vais y arriver. Il s'est relevé immédiatement, j'avais pas eu le temps de voir Kikone. Mais Kikone, il est bel et bien là. Pas boiteux, il a un hématome sur l'épaule gauche. Mais bon, ça c'est pas grand chose. Ça c'est pas grand chose. Philippe Cotin qui est en train de. Philippe Cotin qui a dû passer par toutes les émotions aussi, hein, Philippe, hein, dans la phase finale. Ah bah oui, c'est des émotions, tout ça, c'est des courses longues et dures pour le cœur. Hein. Tout se finit avec pas trop de mal pour les deux chevaux, les deux pilotes, donc c'est ça le principal. Beaucoup de préparation, ça fait des mois, voire des années de préparation pour préparer ça? Des chevaux de crosse, c'est du temps, c'est des soucis, parce qu'ils ont toujours eu quelque chose souvent dans leur carrière, et c'est de la récupération de bons chevaux, parce que les bons chevaux reviennent toujours. Mais voilà. Bravo! Bravo, bravo. Il pourrait concourir au trophée du personnel maintenant, Philippe Cotin, maintenant que t'es simple lad? Ah bah maintenant, oui, je fais pas. J'aide. Tu vas demander à ton fils de t'inscrire au trophée du personnel. Ça serait extra. Allez. On va demander au président qui est quelque part de nous donner un petit mot. Et puis on va demander aux dames. Mamie. Ah bah si, c'est quand même, tu l'as connu tout petit le David, mais il y en a une qui l'a connu aussi, tiens, ah bah voilà, regarde la famille, alors, il dit, c'est beau ça hein? Bah oui, je suis ravi, il court super le cheval, c'est dommage la chute de Kikone quoi, mais enfin, on est content quand même, mais j'espère que Jonathan n'a rien. Non, on l'a vu rentrer là. Ah bah alors, on a discuté avec lui, il est très déçu, hein, ça par contre c'est sûr. Mais... Ça c'est sûr, mais bon bah nickel. Bravo! C'est l'essentiel. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci Lydie. La maman de David Cotin. Ah oui. Hop. Et ici, le petit Winston qui est là. On va. Qui est en train de perdre une chaussure, le petit Winston. Il va perdre. Il est en train de perdre un fer. Alors. Voilà.
Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être demander le mot de la fin au président. S'il est là-bas, je n'en suis pas certain. Allez, venez avec moi. Et cette foule, toujours bien dense. On va faire la mise des prix parce que vous êtes très nombreux à nous regarder. Regardez-moi cette foule qui est toujours là. Toujours très dense, très intense. Ah oui, on va demander ce qu'ils en ont pensé de la course. Des nouvelles de l'As. Alors, attendez, c'est qui l'As? Les nouvelles de l'As. J'ai vu son jockey rentrer. On va lui demander parce que les jockeys sont en train d'arriver. Coucou, coucou. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Oui, on a trop aimé. Mais c'est la première fois que vous venez aux courses? Oui. Ah bah ça c'est sûr. En plus on a tous gagné et les parents ils ont rien gagné. Ah bah ça c'est encore mieux. Bravo. Ça c'est encore mieux. C'est très bien. Ça vous a plu? Ah oui. C'est pas la première fois que vous venez aux courses vous? Je viens pas souvent mais ça fait peut-être la 2e ou 3e fois mais c'est très bien. Super. Bah bravo, merci d'être... Vous êtes sur quelle chaîne? Ah bah on est sur France Cire, c'est la meilleure des chaînes. Voilà. Alors lui, à mon avis, c'est la première fois qu'il vient aux courses, si le petit. Ça va? Alors, ça vous a plu? Très bien. Pourquoi vous êtes venu? Pour voir le spectacle. Il est beau, le spectacle? Parfait. Merci beaucoup. Voilà, ils sont tous là. Et les jockeys? Et la foule qui est là? Et on va aller voir les jockeys qui sont là. On va demander à Erwan Bureller, d'ailleurs, des nouvelles. Tiens, Olivier Join. On l'a pas vu, Olivier. Butterfly. Court bien, dis donc, Butterfly. On n'y croyait pas autant que ça au départ, non? Eh ben, justement, on l'a monté sans pression. On s'est vertué à lui donner un bon parcours, qui saute bien. Bon, il a fait quelques petites bêtises, mais rien de méchant. Et en lui laissant une bonne chance là-haut, et en étant venu juste en sautant la dernière ligne d'en face, je me suis retrouvé à côté des chevaux de tête. Donc, j'ai temporisé et il a mis son cœur sur la piste pour finir. Ouais, bravo, bravo Butterfly, merci Olivier. Et bien sûr, le cheval dont on a beaucoup parlé, qui termine 2e et qui réussit des adieux. On aurait espéré triomphaux, bien sûr, mais des adieux plus qu'honorable, 2e. Et longtemps en tête, Wilfried avec Posilox. Oui, on y a cru beaucoup. On a eu la bonne course, peut-être limite trop bonne. On s'est retrouvé peut-être un poil tout devant. Et le gagnant nous a filé toute la route. J'y ai cru à mi droite, il a remis un petit coup de rein. Oui, parce que le Amazing Comedy est un peu dérobé en plus, tu t'es dit, ah bah tiens. Mais il a de beaux restes, hein. Il y en a pour moins que ça, il porte pour retraite. C'est clair. Bon, tu t'es fait plaisir quand même? Ouais, super, je me suis régalé. Saut en ligne, le chat il connaît par cœur ici, il m'a emmené toute la route. Il était top. Il part avec les honneurs. Merci beaucoup. Merci. Tiens, pendant qu'il monte, on va demander un petit mot au président. Tu vas prendre... Qu'est-ce que tu as pensé de cette course extraordinaire? Bah, c'est toujours une course extraordinaire, mais aujourd'hui, je pense qu'on avait un lot aussi assez exceptionnel, avec des chevaux qui étaient dans l'ensemble très bien préparés. Bon, on peut regretter la chute un peu finale, mais je pense que le gagnant mérite largement la victoire. Quant à Posilox, pour sa dernière sortie, il fait une course quand même, il faut bien le dire, exceptionnelle. Devant de nombreuses personnes qui ont applaudi à 4 ou 5 reprises pendant la course. C'est exceptionnel. Bravo le public lyonnais. Merci beaucoup Alain Pelletier, l'emblématique président de l'Hippodrome Nuit en Angers. Effectivement, qui a remarqué qu'il y a eu des applaudissements très très nourris, plus que jamais d'ailleurs, plusieurs fois pendant le parcours, avant même le départ d'ailleurs. Pour applaudir ses jockeys et ses chevaux. Alors il y en a un, oula, il a du, il y en a un qui a du marron sur la... Ouais, Antoine Auchère, t'as rasé où toi, dis-le Antoine? 7e. Ah mais t'étais tombé avant alors? Non. Parce que t'as... Ah oui, il est tombé. Ah, il est 7e, excuse-moi. Hymne national.
Bravo, les chapeaux qui volent. Il sort le chapeau qui vole. Et donc, alors des nouvelles des jockeys, ils sont tous là. On a vu Jonathan qui a eu la chute la plus lourde et on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on me demande ? Ah oui, chez Pedro. Ben, chez Pedro, on l'a vu se relever juste aussitôt la chute. Donc voilà, il est reparti. Quant à Don Padre, écoutez, je ne l'ai pas vu. J'ai vu son jockey tout à l'heure. Est-ce qu'il est là son jockey ? Non. Attendez. Ah si. Si, il est sur le podium, Erwan Bureler. Je vais aller le voir juste après, parce que là, la remise des récompenses est en train de se terminer, tandis que le cheval, il est toujours là. Regardez. Et là, il s'est relevé, Don Padre s'est relevé, effectivement, et chez Pedro, les deux sont relevés sans problème. Et donc, nous avons ici, Amazing Comedy, avec sa propriétaire, Louise Collet, qu'on va aller voir, parce que les courses, ce sont les chevaux qui les gagnent. Regardez cette belle image, un cheval parfaitement récupérant devant une foule conquise. Amazing Comedy, entraîné à deux pas d'ici, au Lion d'Angers, chez Philippe et David Cotin. Des applaudissements toujours nourris pour Amazing Comedy, qui est tout à fait fringant après ce parcours de 7300 mètres. Vous pouvez voir, c'est la façon dont il respire, en fait, c'est au naseau, puis le ventre également. Et là, on voit que il est bien portant, Amazing Comedy. Non, il est assez costaud, naturellement. Il est bien portant, et comme moi. Bah exactement, il est comme toi. Il a besoin d'être comme ça pour être bien, c'est comme toi. Tu cours mieux derrière et tu parles mieux quand tu as un petit peu de gras sur le... Mais c'est vrai, il y a des chevaux qui ont des natures un peu différentes, mais lui, il est vraiment bien portant. Il a une démarche incroyable aussi. Et il a surtout une drôle de locomotion de derrière. Regarde le marché. Regarde le marché. Voilà. Un good walker. Merci Philippe Cotin. Et donc, le cheval qui va pouvoir bénéficier d'un mois en thalassothérapie gratuitement, offert par l'écurie de Fréhel, on le rappelle. L'écurie de Fréhel qui avait accueilli les deux chevaux de William Menuet, donc Posilox et Océan Austral, cet hiver. Et c'est ainsi que nous allons conclure cet événement. Est-ce qu'on va demander un dernier petit mot au public quand même ? Oh, ils nous ont bien parlé. Et c'est au son de René Périgois, notre commentateur de légende, bien plus fort que moi d'ailleurs, et qui a commenté la course d'obstacles la plus longue du monde, et sous les applaudissements d'un public nourri, et avec tous les jockeys ici, que nous allons rendre l'antenne de cette Angeloire Challenge 2019 sur l'hippodrome du Lion d'Angers. On se donne rendez-vous je ne sais plus quand. Dimanche, nous avons notre jeune Ephèbe qui va où ça dimanche ? On ira au Jockey Club, c'est moins long. Mais il y aura peut-être des belles sensations aussi avec Zarkelani qui court une semaine. Et pour l'instant, on a récupéré les GoPro des cavaliers. Alors, ça arrive bientôt. L'arme du crime arrive bientôt. Salut tout le monde. Et on se retrouve dimanche. Effectivement. Et le dimanche d'après, ce sera Rostronin. On va encore changer de décor. Allez, ciao à tous. Bye bye. Pendant ce temps-là, moi, j'apprends mon parcours pour l'année prochaine.